De joie pour le Seigneur Jésus ce soir. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça? Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te déplacer, saluer seulement 5 personnes? Dis-lui, sois les bienvenus dans la présence du Seigneur. En respectant les gestes barrières, dis-lui, sois la bienvenue. Sois la bienvenue, sois la bienvenue. Sois la bienvenue, que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Durant ces 4 jours de prière et de délivrance, nous savons que Dieu va nous visiter énormément. Je sais que les chaînes, les mauvaises alliances seront brisées pendant ces 4 jours. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes deux mains, ferme tes yeux? En 2 minutes seulement, tu dis au Seigneur merci pour t'avoir gardé cette journée, de t'avoir permis d'être en ces lieux ce soir. Tu dis Seigneur, je t'adore ce soir. Je t'adore ce soir. Je t'élève ce soir. Je te glorifie ce soir. Je t'exalte ce soir. Je te bénis ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes offres. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es notre Dieu. Tu ne changes pas. Te remercions pour ce temps éternel que tu nous accordes pour parler à ton peuple. Parle au travers de moi. Que je diminue. Que seul ton nom soit glorifié. J'ai anéanti toute puissance du diable. Toute puissance démoniaque. Toute puissance maléfique. Et j'élève le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un crie fortement Amen. Kangamakasi, Amen. Gloire au Seigneur. Kembo Nankolo. Avant d'entrer dans mon message, on peut diminuer un peu l'instrumental, un petit peu. Si tu as ton téléphone avec toi, vas-y rapidement sur Facebook et puis tu vas dans la barre de recherche, tu vas Révérend Béni H. Kalala. Kotana Facebook. Et tu partages le direct. Je salue tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et merci vous également de partager le live, de partager le direct avec vos amis. Afin que ce message soit une bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Amen. Vas-y, partage. Vas-y, partage. Et si tu as fini, tu ouvres ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 15. On peut tous se lever pour la lecture de la parole. Genèse chapitre 15, le verset 9 à 11, et puis nous allons sauter pour lire le verset 17 à 18. Genèse chapitre 15, verset 9 à 11,
Et puis nous allons lire le verset 17 à 18. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Amen. Nous lisons. La Bible déclare, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Versets 17 à 18. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Parole de l'Éternel. À partir de ce soir, demain, lobby, vendredi et nous allons clôturer dimanche avec le thème briser les alliances maléfiques. Briser les alliances maléfiques. Que veut dire une alliance? Nini eligi koloba boyokani. Qu'est-ce que c'est une alliance? Nini elakisi ezali boyokani. Une alliance boyokani est une mutuelle. Eza lisanga. Une entente. Eza koyokana entre deux personnes nabato mibale s'engageant chacun à accomplir ses obligations. Nakondimaka moko na mosusu kokokisa kweza masenga mikosala na ye. Une alliance boyokani est une mutuelle eza lisanga une entente eza boyokani entre deux personnes nabato mibale qui s'engage à accomplir chacun des obligations. Oyo bazomi kotia na kokokisa moko na mosusu masenga meko kokisa. Et cette alliance là peut être légale et sengeli endima masolo et ça peut être de manière écrite. Et koti kozala oyo lobami na maloba to pe kozala na lolenge ya kokoma. Ça peut être légal. Et koti kozala na koloba na maloba et de manière écrite. Pe na lolenge ya kokoma. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu était en train d'établir une alliance ou de faire une alliance avec Abraham. Na boyokani ya kala to somona lolenge kani nzambe abane kotia boyokani na balayama. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Hébreu, l'alliance était un pacte entre deux parties. Et pour concrétiser cette alliance, il y avait, on divisait des portions de chair. On met une partie à gauche, une partie à droite. Et les deux personnes passaient entre ces parties de chair. Et nous voyons dans le verset que nous venons de lire lorsque Dieu voulait établir une alliance avec Abraham. Il a demandé des choses à Abraham. Et Abraham a divisé des portions de chair. Et la Bible dit que Dieu lui-même est passé entre ces
ces deux parties de chair. Et c'est de cette manière qu'il a établi l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Abraham a tué des animaux afin d'établir l'alliance entre lui et Dieu. Et nous voyons que le diable également, il copie les mêmes pratiques que Dieu fait. Et les gens vont croire que c'est quelque chose que le diable a inventé. Alors que le diable n'est pas un créateur, mais un copieur. Il n'a jamais rien créé. Tout ce qu'il fait, c'est de copier ce qui a déjà existé. Alléluia. Amen. Il copie et il déforme. Nous devons savoir qu'une alliance faite dans le monde physique est aussi puissante qu'une alliance faite dans le monde spirituel. Mon instrumental a coupé. Une alliance faite dans le monde physique est aussi puissante qu'une alliance faite dans le monde spirituel. Ça veut dire que lorsque deux personnes font une alliance, et ça veut dire que chacun d'eux a sa partie à accomplir, a ses devoirs à faire vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire que cette alliance-là, elle est aussi puissante qu'une alliance qui est faite spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Par exemple, la RDC qui fait une alliance avec, par exemple, l'Angola. Sur des bases militaires. Ça veut dire que la RDC, si la RDC a un problème, l'Angola peut intervenir sur base de leur alliance. Une alliance est incontestable lorsqu'elle est faite entre les humains et les esprits maléfiques. Une alliance, elle est puissante lorsqu'elle est faite entre un être humain et un esprit maléfique. Et lorsqu'il y a une alliance pareille qui est faite, il faut savoir que les conséquences seront terribles. À chaque fois qu'il y a une alliance qui est faite, bonne ou mauvaise, il y aura des conséquences bonnes ou mauvaises. Répète après moi. Lorsqu'il y a une alliance faite bonne ou mauvaise, il y aura des conséquences bonnes ou mauvaises Mauvaise. Ça dépend du type d'alliance. Pendant ces quatre jours, nous allons plus parler des alliances maléfiques. Et il faut savoir que c'est possible d'entrer dans une alliance maléfique de manière inconsciente et subir les effets de cette alliance sans le savoir. C'est possible que tu puisses entrer, être dans une alliance maléfique de manière inconsciente et tu subis les effets de cette alliance sans le savoir. Mais comment est-ce que les gens entrent dans des alliances? Comment est-ce que quelqu'un peut se retrouver
dans une alliance maléfique. Lolenge kani moto akoti komi kuta na boyokani moko a molili. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. On peut avancer. Je suis d'abord en train de poser des bases de connaissances avant que nous puissions entrer dans la prière. Lamentations chapitre 5, le verset 7. Lamentations chapitre 5, le verset 7. Je vais lire à partir de la version parole de vie que j'aime beaucoup. Elle dit ceci. Nos parents ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui portons le poids de leurs fautes. Nos parents ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui portons le poids de leurs fautes. Comment est-ce que les gens entrent en alliance maléfique? Premièrement, à travers les parents. Lamentation dit que nos parents ont péché. Si je peux paraphraser, il dit que nos parents sont entrés dans des alliances. Nos parents ont fait des alliances maléfiques. Ils ne sont plus là. Ils sont morts. On les a enterrés. Mais nous portons les conséquences. Mais nous subissons les conséquences. Mais nous sommes victimes des conséquences. Nous subissons les conséquences de leurs actes. Nous n'étions pas là quand ils ont fait leurs alliances. Nous n'étions pas là quand ils ont conclu des contrats, des pactes. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes des victimes de ce qu'ils ont fait. Nous sommes des victimes des alliances. Nous sommes des victimes des pactes qui ont été signés. Plusieurs chrétiens ou non-chrétiens sont entrés dans des alliances à travers leurs parents sans le savoir. Souvent, j'ai remarqué que dans une famille où il y a un chef coutumier. Et lorsque le chef coutumier meurt, automatiquement, les anciens du village vont chercher à ce que quelqu'un dans sa famille puisse prendre la place de ce chef coutumier ou parmi ses enfants. Un doit devenir chef coutumier. Il devient chef coutumier. Et quand il va devenir chef coutumier, on va l'exiger de hériter du même pouvoir que son père avait. Si c'était de la sorcellerie, il sera obligé d'hériter de la sorcellerie. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Même si tu ne veux pas, à ton limite, ils vont te dire que si tu fouilles, c'est vrai, non? Tu es obligé d'accepter ça. Parce que c'est héréditaire. C'est héréditaire. Mais je me rappelle de quelqu'un à Kinkole, et lui, son père était un chef coutumier. Et quand son père est mort, il devait devenir chef coutumier. Mais il a fui. On l'a dit, même comme tu as fui là. Même si tu fouilles, on va t'avoir. Tu dois revenir ici au village et prendre la place de ton père. C'est de manière automatique.
Il entre dans cette alliance là, ce n'est pas parce que lui le veut, mais à cause de ses parents. À cause na boyoka ni on les a te pour aligner kasi na tine ba boti na ye. À cause de ses parents. Na tine ba boti. Il est obligé d'avoir ces fétiches là. A tindi kami na makasi ya kozwa kisi wana. Il est obligé d'être dans cette lignée là des chefs coutumiers. A tindi kami ya kozana na molongo na ba kambia mboka molimo. Il y a même des gens lorsqu'ils sont des sorciers, qu'un parent qui est sorcier, il va vouloir faire tout pour donner de la sorcellerie même à ses enfants. Il va tout faire pour faire entrer les autres dans des alliances. Il y a même certains parents, certains ancêtres qui ont fait des alliances avec des esprits des eaux. Et ça va boti mon sousou ba encore mon sousou ba sala boyoka na milimo ya mai pour la richesse. Pona bomengo. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec des idoles, avec des sirènes. Et ça va mon sousou ba sala boyoka ni na bikeko na ba mami wata avec des esprits démoniaques. Na milimo ya démona pour le pouvoir. Pona mpivo. Et on t'a fait entrer aussi dans cette alliance-là. Ou même toute la famille est entrée dans cette alliance sans le savoir. Et il y a quelqu'un, peut-être dans la famille, qui a fait une alliance et lui veut être en bonne santé. Il fait une alliance pour avoir la bonne santé. Et il prend toute la santé de la famille, il hypothèque dans le monde éternel. Quelqu'un qui veut avoir la richesse, et à cause de cette soif-là d'avoir la richesse, et il hypothèque la richesse de tout le monde dans la famille. Il veut maintenir son travail intact. Il fait entrer toute la famille dans une alliance de pauvreté pour avoir une stabilité dans son travail. J'ai connu ces cas qui me collaient. Pendant une séance de délivrance, un jeudi, pendant qu'on est en train de prier, on est en train de prier, on prie et il y a manifestation. Des gens qui tombent, on commence la délivrance sur place. J'ai dit à mon épouse avec l'équipe, j'ai dit prends celui-là, pars avec. Le temps, il est en train d'amener, il y a encore une autre personne, j'ai dit prends avec, pas. Et pendant qu'ils partent là-bas, et à la fin du culte, elle me fait rapport. Elle me dit, voici ce qui arrive. Son oncle, l'oncle de la sœur, c'est un homme très riche. C'est lui qui détient toute la richesse de la famille. Et comme il a toute la richesse de la famille, personne dans la famille ne peut passer. C'est lui qui est la colonne. Et tous les gens m'avaient dit, ah, oh, l'ikondi à famille n'a pas besoin. Alors que l'ikondi à famille est à kanga bino tout. Afin qu'on ne puisse pas progresser. C'est une alliance qui a été faite par un membre de la famille, par un parent, pour bloquer d'autres personnes dans la famille. Il y a des gens qui peuvent entrer dans des alliances pour juste mettre la limitation dans la vie de certains membres de la famille. Il y a d'autres personnes qui peuvent entrer dans des alliances juste pour que son mariage soit stable et que personne d'autre dans la famille ne se marie à part lui. Ah, je déclare sur la vie de quelqu'un. Et toute alliance qui a été faite par tes parents qui affecte ta vie soit
brisé au nom de Jésus. Je dis que sois brisé au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un que toute alliance faite par tes parents avec des esprits des eaux soit brisée ce soir au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un que toute alliance qui a été faite par un de tes parents pour limiter ta vie, je la brise ce soir au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Tu dis amen. Tu le crois, tu dis amen. Répète après moi, je brise toute alliance faite par mes parents qui limite ma vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont fait des alliances. Il y a des parents qui ont fait des alliances. Il y a des ancêtres qui ont fait des alliances. Et nous subissons. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Il y a un peu de temps que vous avez dit que vous avez dit. Il y a l'histoire d'une maman. Et ça là, l'histoire à maman Moko. Une maman qui était mariée. Maman Moko a balaki. Et dans sa propre famille, na libota na ye Moko. Il y avait une situation avec ses sœurs. Et ça qui na lika maman Moko na bandegoné a basi. Ses sœurs, lorsqu'elles s'est mariées, bandegoné a basi ton waneko bala. Le mariage ne durait pas. Libala et baneko ou melate. Le mariage ne durait pas. Libala et baneko ou melate. Et elle est allée entrer en alliance. Elle a fait une alliance avec des esprits maléfiques de façon que lorsqu'elle sera mariée, qu'elle puisse maintenir son mariage. Et la condition qu'on lui avait donnée, c'était d'hypothéquer le mariage de ses filles. De vendre le mariage de ses filles. Et c'est ce qu'elle avait fait. Et il y avait maintenant un phénomène dans la vie de ses filles. L'aînée s'est mariée. Quelque temps après, elle était enceinte. Elle a donné naissance. Son premier enfant. Et le mari a dit à cette fille-là, est-ce que tu peux aller chez tes parents comme c'est la première grossesse, comme ça ta maman va t'aider avec le walé. C'est normal, non? Ah, si ton mari te dit ça, c'est normal. Les femmes aiment ça. Hein? Bah, si, alléluia. Hein? Vous aimez ça lorsque vous avez votre premier cousin, vous voulez rentrer chez les parents. Et même la maman, elle veut aussi avoir sa fille pour l'encadrer et tout ça, c'est la première grossesse. Elle était contente, elle est partie. Pendant que la fille est rentrée chez ses parents, le mari est resté, elle a amené une autre femme. Elle a dit à sa femme, comme tu es là, reste là. La deuxième mariée. La seconde fille s'est mariée. Après quelques temps, elle est enceinte. Elle a donné naissance. Quand elle a donné naissance, son mari lui dit encore, tu veux rentrer chez ta maman pour le walé. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle rentre. Et lorsqu'elle arrive chez maman, son mari prend une autre femme. Deuxième fois. La troisième fille, la même chose. Et la quatrième fille, elle s'est mariée. À Bali. Elle a donné naissance. À Boti. Et elle a compris qu'il y avait quelque chose qui se répétait dans la famille. Il y avait un cycle là qui était en train de
d'atteindre toutes les filles dans la famille. Ezakine lokomo kwana baneko sima basi nyoso libota. Ça ne va pas. Abitezo tambola. La première a donné naissance, elle est rentrée chez elle. Ya ya kwabota himo la songa yepa na bango. La deuxième a donné naissance, elle est rentrée. Ya mibale abalati abota songa yepa na bango. Tellement que c'était un phénomène dans le quartier, tout le monde dans le quartier connaissait que na famille wana soko bali au boti mwana liboso au salanine. Rozonga yepa na bino. Alors les jours de son mariage, même avant de donner naissance, les jours de son mariage. Pendant qu'on donnait la dot, les gens se réjouissaient. Et il y a des voisins qui ont mis la musique qui disait Bakenda kaka me bazonga kaka. Barokende barozonga. Et lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant, elle a dit je dois faire attention. Je dois faire attention. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre famille. Elle est allée voir le pasteur. Expliquez le problème au pasteur. Voici ce qui se passe. Notre aînée est partie. Elle a eu son premier enfant. Elle est rentrée chez eux. Notre deuxième, notre troisième. Et je viens à peine de donner naissance. Le pasteur lui a dit, allez, il faut prier. Il faut jeûner. Sinon, tu seras aussi victime. Elle dit, il y a une alliance qui a été faite quelque part. Il y a un sacrifice qui a été fait quelque part. Qui est en train d'affecter toutes les filles dans votre famille. Il faut prendre un sacrifice. Pour combattre le sacrifice qui fait. Qui crie contre les mariages dans votre famille. On commence une alliance par une alliance. Amen. Je n'entends pas ton amen. On combat une mauvaise alliance par une alliance divine. On combat un sacrifice par un sacrifice. On combat un autel par un autel. S'il y a des gens dans votre famille qui ont élevé des autels pour combattre contre toi, toi aussi élève un autel divin qui va combattre contre ces mauvais autels. S'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour vous combattre dans la famille, toi aussi fais des sacrifices pour combattre leurs sacrifices. Et cette sœur-là, elle a pris un sacrifice. Elle est allée vers le pasteur. Elle a dit, ça c'est mon sacrifice. Prie pour moi. Je vais lever un autel. Pour combattre cette mauvaise alliance. Et ils ont prié avec le pasteur. Et elle est rentrée à la maison. Dès qu'elle arrive à la maison, son mari lui dit, tu ne vois pas que ça serait mieux comme tu as donné naissance que tu as eu chez ta mère pour qu'elle puisse prendre soin de toi. Elle a dit, non, je ne pars pas. Elle dit, je ne pars pas. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas rentrer chez mes parents. Je reste ici. Quelqu'un dit, je reste ici. Je reste ici. Quelqu'un dit, je reste ici. Je reste ici. Elle dit, je ne pars pas. Les mariés insistaient. Je ne pars pas. Mon bal a bêté cet habit. Je ne pars pas. Okay, ça va, reste. Malam utika là. Quelques semaines après, Bamposonda, sa mère vient lui dire, maman est kolobanae. Mais tu sais, c'est bizarre. Hein? Tu es la seule fille qui n'est pas rentrée chez moi à la maison. Oui, bien. Et ça, quand moi, je suis beaucoup car son guité pas dans la maison. Tes soeurs sont rentrées. Bande qu'on a pas si bas. Mais toi, tu n'es pas rentrée. Qui son guité? Elle dit, mais je ne comprends pas. Ah, bien, non, c'est sur la terre. La fille a dit, maman. Ne commence à dire. Je ne vais pas rentrer. La raison à terre. Elle dit, je ne vais pas rentrer. La lignité aux zonga. Elle dit, maman. J'ai fait quelque chose. J'ai donné un sacrifice pour combattre cet hôtel-là qui combattait mes soeurs. Moi, j'ai fait des choses dans le monde spirituel. Je ne vais pas rentrer. La fille a dit, ma maman a dit, ma fille, tu m'as tué. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, j'avais fait une alliance maléfique. Dans les années, j'avais sacrifié tous vos mariages.
Mais maintenant, comme toi, là, toi, ça ne va pas, tu rester dans ton mariage, mais moi, mon mariage, ça va être déstabilisé. La fille a dit, maman, au sali vina, au tigana na sala vina. Tout n'a pas la sala vie. Au sali vina, au tigana na sala vina. Ce qui n'est pas la noé, baby, et koufa l'ango. Naya n'a pas koufa te. Amen. Naya n'a pas koufa te. Oh, je prie qu'il y ait retour à l'expéditeur de tous les plans qu'ils ont fait contre ta vie. Ça puisse être retourné à l'expéditeur. Au nom de na kombo ya Yesu. Tous les plans qu'ils ont fait contre toi. Balliance na bango ana ekosimba yote. Amen. Je dis balliance na bango ekosimba yote. Amen. Leur plan maléfique ne va pas agir sur toi. Ma bonne sœur, mon lit est sale tel que l'on a yo. Comment on entre en alliance à travers les parents? Le lingé kani, de quoi t'as ganabo yo kani nanzela ya baboti. Deuxième. Yami balé. Un chrétien peut entrer en alliance. Mo Christo, à quoi t'as ganabo yo kani? Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. La Bible déclare. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Quelqu'un dit choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Deuxième, comment est-ce que quelqu'un peut entrer en dans une alliance maléfique? Yamibale, le rekani motako kota na boyo kani mon lili. À travers ton propre choix. Nanzela yabo poni na yo moko. À travers ton propre choix. Nanzela yabo poni na yo moko. La première option, tu peux entrer dans une alliance maléfique inconsciemment à cause de tes parents. Yaliboso koko tana boyo kani wana yo yebite nanzela yabo poti na yo. Tu ne sais pas, mais on t'a initié déjà. O yebite kaje si ba koti si yo. Mais la deuxième manière, c'est à travers tes propres choix. Ici, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, il dit, choisis la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la bénédiction. Afin que tu vives, toi, et ta postérité. Tu vois, il y a des choses que nous faisons qui vont affecter notre postérité. Il y a des choses que nous allons faire qui auront des conséquences sur notre postérité. Dieu a choisi la vie pour que tu vives. Pas seulement toi, ta postérité. Répète après moi, dis, tout ce que je fais, tout ce que je fais affecte ma postérité. Affecte ma postérité. Encore une fois de plus, tout ce que je fais, tout ce que je fais affecte ma postérité. Affecte ma postérité. De manière positive. De manière positive. Ou négative. Ou négative. Fais attention. Fais très attention avec tout ce que tu es en train de faire. Fais attention. Lorsque tu dois faire un choix. Parce que ce choix-là ne va pas seulement t'affecter toi. Ça va affecter ta postérité. Ça va affecter les gens autour de toi. Il y aura des conséquences. Pas seulement sur toi. Sur les gens autour de toi. Et sur tes enfants de génération en génération. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Quelqu'un me comprend. Alors c'est pourquoi j'ai souvent pitié des gens qui disent que on lui donne conseil de la manière dont il est en train de vivre et puis il dit que c'est ma vie. C'est ma vie, est-ce que ça c'est ta vie? Laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Pourquoi tu veux me surveiller, tu veux me contrôler? Ce n'est pas ta vie. Parce que si tu gaffes aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire que si nous vivons ce que nous vivons, c'est à cause des papas, c'est à cause des mamans, c'est à cause de notre grand frère, c'est
notre ancêtre. Si tu es adultère aujourd'hui, tu auras des enfants adultères. Dans ta génération, il y aura des adultères. Si tu es impudique aujourd'hui, tu es ivrogne aujourd'hui, tu es dans le mensonge aujourd'hui, tu auras des gens comme toi dans ta génération, dans ta descendance. Tu auras des gens exactement comme toi et des gens pires que toi. Si tu marches dans l'intégrité, dans la droiture, dans la sanctification, il y aura des gens qui vont faire des choses comme toi aussi, qui vont marcher dans l'intégrité, dans la sanctification, dans la crainte de l'éternel. C'est à toi de faire les choix. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, fais un très bon choix. Lorsque je regarde la Bible, je regarde un homme qui était oint par Dieu, qui a fait des grandes choses avec l'Éternel, mais dans sa postérité, c'était du cadre, c'était un chaos terrible. Lorsque David est sorti avec Bathsheba, son fils Absalom est sorti avec ses femmes en public. Son autre fils Amnon est sorti avec Tamar. Et celui qui était pire de tout, Salomon. Salomon 1000 femmes. Et le fils de Salomon, Rehoboam, lui aussi est allé vers 18 femmes. 80 enfants. Un seul homme. Pourquoi? Pour Nanini. David. David in Coco. Papa David. Tata David. Coco David. Coco. Regarde ce que tu es en train de faire, regarde ce que tu vis, ce que tu fais maintenant. Quel genre de postérité auras-tu? Quel genre d'enfant, de petit enfant, de arrière-arrière petit enfant tu auras? Quel genre d'alliance tu es en train de laisser à ces enfants? Quel genre de fondement tu es en train de léguer? Quel genre de d'héritage tu es en train de laisser à cette personne? Tu connais ta vie, non? Toi-même tu connais ta vie. Oh, yebi yo moko malamu mbobo na yo. Tu connais ta vie, tes propres choix. Bo bo poni na yo moko. Là, tu ne vas pas dire que ce sont mes parents, non. Là, ce n'est plus tes parents. Là, les parents, tu as en fini avec, mais maintenant, c'est que toi, tu es en train de faire. Risque de t'écouter, cher. Tes propres choix. Ta propre vie. Peut-être que les parents n'ont pas touché au fétiche pour avoir le succès, mais toi, tu veux aller là-bas parce que tu n'es pas calme, tu veux entrer là-bas pour avoir du succès. Il y a quelques mois passés, je crois que c'était l'année passée. L'année passée. Où il y avait un accident ici sur le boulevard, le boulevard du 30 juin, et puis c'était une fuga, et on a découvert deux femmes qui étaient, des filles qui étaient mortes, et puis on a trouvé des statuettes, et puis un habit rouge. Les jeunes filles mortes. Mais on trouve un cercueil, la croix, il y a des gens qui ont vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, je me demande, le cercueil là s'est retrouvé où? Elle venait d'où? Peut-être qu'elle venait de chercher de la richesse quelque part. Et maintenant vous cherchez de la richesse et vous êtes mort. J'ai dit à quelqu'un, il n'existe pas de raccourci vers le succès. Je répète, il n'existe pas de raccourci vers le succès. Tout raccourci vers le succès va raccourcir ta vie.
Tout raccourci vers le succès va raccourcir ta vie. La seule vraie solution, chemin vers le succès, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu très haut, c'est l'Éternel des armées, c'est lui qui donne le vrai succès. C'est lui qui donne la vraie bénédiction. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de manque de paix, tu n'as pas de mort, tu es dans la paix parce que c'est lui qui te bénit. C'est lui qui était l'air. Ne va pas toucher au fétiche. Ne va pas vers l'occultisme. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à Dieu. Et au temps opportun, il va t'élever. Au temps opportun, il va te bénir. Au temps opportun, ta vie va changer. Regarde ton voisin, dis-lui, ne touche pas à l'occultisme. Ne touche pas à la magie. Notre secret, c'est Jésus. Mon secret, c'est Jésus. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas l'occultisme. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est Jésus. Fais ce choix-là de rester attaché à lui. Ne fais pas des erreurs que tu risques de regretter plus tard. Il y a même des gens qui ont fait des alliances. Vous savez, lorsque vous êtes, il y a certaines personnes qui étaient encore trop jeunes et ils avaient leur premier amour. Moi et toi, on ne va jamais se séparer. Moi et toi, pour la vie. Personne ne va nous séparer. Là, je parle de ton premier amour. Il y a une chose que j'ai remarqué. Je peux dire sur 100%. Je peux dire même 98%. C'est pas vrai. C'est vrai. Balanarate. Au balara, ce qui est 5e, ce qui est 10e, ce qui est 15e. Pour nous, ce qui est 50e. Et au bossani pour 80e dans les années, c'est quoi? Mais il y a des gens, et ça n'a pas tout. Lorsque vous étiez encore, il y a l'amour qui est là. Tu dis non, jamais dans mon cabana. D'ailleurs, tu sais, je t'aime beaucoup. Je vais te prouver que je t'aime. Pour la vie. Personne ne va vous séparer. Je ne veux plus jamais épouser une autre personne. Seulement toi. Jusqu'à la mort. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Tu es là. Ça devient comme ça, difficile. Et comme il passe. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance de sang. Et tu as déclaré des paroles dessus. Et cette alliance-là te retient. C'est ton propre choix. Ça, c'est pas les parents. Ça, c'est toi. Et ça, yo.
Tu as fait une alliance. Tu es entré en alliance. Tu as déclaré des paroles. Ce sont ces paroles-là qui te retiennent. Ce soir, tu dois briser ces alliances. Tu dois briser cette alliance. Tu dois briser. Non. Tu vas essayer de te marier, ça ne va pas marcher. Ton mariage ne va pas marcher. Parce qu'il y a une alliance. Un pacte de sang. Troisième. Comment est-ce que les gens entrent en alliance? Quelqu'un peut entrer dans une alliance de manière inconsciente. De manière inconsciente. Tu peux entrer en alliance de manière inconsciente. Notez bien. Une alliance héritée de manière inconsciente est aussi forte et puissante qu'une alliance consciente. Amen. Une alliance faite de manière inconsciente est aussi forte et puissante qu'une alliance consciente. Lorsqu'une personne est dans une alliance inconsciente, souvent, la personne est poussée à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Tu seras souvent poussé à faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu seras forcé à faire des choses que, de manière consciente, tu ne peux pas faire. Le monde des ténèbres, les agents du monde des ténèbres peuvent t'initier sans ton accord, sans ta permission. Et souvent, lorsque quelqu'un est dans une alliance de manière inconsciente, Dieu te révèle ton état d'âme. Il te révèle cette alliance inconsciente à travers des rêves. À travers des rêves. À travers des rêves. Que Dieu te montre ce que le diable est en train de faire dans ta vie. À travers des rêves. Si tu vois peut-être quand tu es en train de dormir, par exemple, tu dors, tu te vois en train de manger. Tu es en train de manger. Des shawarma. Où j'ai rêvé, j'étais en train de manger. Ça, nous tombons katanaté. Ça te demande, j'ai mal. Et tu te réveilles le matin. Ça, c'est la mouka mouna que je n'ai pas de chaloma, puis après, la mouna. Il y a une alliance inconsciente. Ne wana yeba et sana bouyoka ni moko yebite. Ça on appelle la sorcellerie inconsciente. Ya wana bazopenga bondokyo moto emo yebite. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. On a ça kindokyo moto yebite. On t'utilise dans le monde des ténèbres, mais tu ne sais pas. Tu es en train de manger. Tu te vois toujours dans des fêtes. Tu es là dans la fête la nuit, tu te vois seulement. Oh, on était dans la fête là, avec des gens en train de manger. Tu es dans une alliance inconsciente. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui mange, qui ne s'est pas en train de manger la vie? Je sais que tu ne vas pas élever ta main. Sinon, le voisin va dire. On utilise inconsciemment lorsque tu dors et puis.
Tu sens comme si on t'a relâché et que tu revenais sur ton lit et puis comme si tu tombais quelque part et puis tu arrives sur ton... Tu reviens là, tu sursens. Oh là, le moni le coup la bas, tu as dit au licolo si car bas, tu as dit au coup, il y a qui n'en a. Tu as déjà senti ça? Et si yoga bongo? Tu as déjà senti ça? Nani, ici à yoga bongo, ka sonite. Oh, il y a des doigts là, des mais ma tonde maman. Sorcellerie inconsciente. Yeba maman, on est à Kindoki, on est à. Je te dis la vérité. Mama, je suis en train de t'aider. Non, sungayo. Ça, c'est l'inconscient. Ça veut dire qu'on vient de te prendre, on t'a utilisé, on a fini et puis on te remet. Il y a l'histoire d'un frère qui il dormait, il est allé la nuit, il dormait dans sa chambre. Il dormait et le matin, les gens se réveillent. On l'a trouvé sur l'arbre. En train de dormir. Et quand on le réveille, il sursaute. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a coupé. Il a coupé la chambre. Dans le poulet. Tu fais quoi? Il dit, mais j'ai dormi à la chambre. Mais tu es arrivé ici comment? C'est que tu as un retard. 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 Sorcellerie inconsciente. Le diable en train de t'utiliser. Tu te vois la nuit en train. Au moins, on s'en arrange, tu travailles. Tu travailles pour des gens. On t'utilise inconsciemment. Tu te vois pendant la nuit avoir en train d'avoir des rapports sexuels avec des hommes et des femmes. Deux hommes, on a beaucoup de sang sans doute. On a passé dans mes balles. On s'en est écartanaté. Je ne sais pas que tu as des maris de nuit et des femmes de nuit qui sont en train de t'utiliser. Une alliance inconsciente. Et tu vas commencer à te révéler des choses comme ça pendant, à travers des rêves. Si tu es une personne qui ne rêve pas, tu as un problème. Tu as un problème. Ça veut dire que le diable ne veut pas que tu puisses savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et le diable la dit toi yeba, que ce soit bon ou mauvais. Tu dois rêver. Parce que Dieu nous révèle les choses à travers des rêves. Il nous parle pendant qu'on dort. Il nous révèle les plans du diable pendant que tu dors. Regarde ton voisin et demande, est-ce que tu rêves? Tu n'as mon ingaza pemene. Olotaka. Qui te répondent. Aya non ayo. Si tu ne rêves pas, tu as un problème. Ceux qui ont l'autre raté, on a les cambo. Et lorsque tu rêves, est-ce que tu te rappelles des rêves? Si tu appelles les cambo, ça rende awa. Tant que l'autre, on s'en se rappelle sous l'autre. L'autre dit, hein? L'autre dit, non, on dirait, ah! Tant on a l'amour qui n'a. Ah, n'ambo ça. Tu as un problème. On est en train de t'aveugler comme ça. T'aveugler. On ne veut pas que tu connaisses ton état spirituel. Mais ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour différents aspects. Différentes manières dont nous sommes entrés dans des alliances. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Lève-toi, nous allons prier. Nous allons continuer demain. Demain, nous allons parler des sortes d'alliances cachées. Des sortes d'alliances cachées. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas d'abord premièrement remercier le Seigneur pour la parole de ce soir. Dis-lui merci de t'avoir parlé. Dis-lui merci de t'avoir révélé les choses cachées. Et lève-toi, va prier au nom de Jésus. Tout le monde nous sambela na kombo ya Yesu.
Tu lui dis merci. Nous remercions le Seigneur. Même toi qui nous suis en ligne, tu pries avec nous également. Je remercie le Seigneur au nom de Jésus. Donc ça m'attend dans la combo à Yesu. Tu vas me suivre dans la prière. Ogolandangana lo sambo. Et tu vas prier. Pero sambe la. Tu vas répéter après moi. Ogozong sana simalanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, tu pries fortement. Crie plus que ton voisin. Bondela kolega moto a pembe na yo. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens briser. Je viens briser. Je viens annuler. Je viens annuler. Toute alliance. Toute alliance. Maléfique. Maléfique. Héritée. Héritée. De mes parents. De mes parents. De mes ancêtres. De mes ancêtres. Qui affectent ma vie. Qui affectent ma qui vie. Qui limitent ma vie. Qui limitent ma vie. Je les brise. Je le brise. Je annule. Je l'annule. Au nom de Jésus. 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 Tu vas prier au nom de Jésus. Oh, Sambela. Sambela. Tu vas briser et annuler. Tu vas briser et annuler. Bukape boya. Toute alliance Boyo kaninyo. Maléfique Yamolili. Hérité de tes parents et qui affecte simba, ta vie bomo inayo. Qui affecte tes affaires qui affecte tes enfants Bananayo. Qui affecte ta destinée. Vas-y, prie au nom de Jésus. Tu vas briser cette alliance. Bukaboyo kaninyo. Tu annules cette alliance. Tu brises cette alliance. Hérité de tes ancêtres. Les choses que tes ancêtres ont fait. Les choses que tes parents ont fait. Les alliances qu'ils ont faites. Qui t'affectent aujourd'hui. Tu brises, tu annules cela. Au nom de Jésus. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Pendant que tu pries, il y a des choses qui se passent. Pendant que tu pries, il y a des alliances qui tombent. Pendant que tu pries, il y a des chaînes qui tombent. Pendant que tu pries, il y a des hôtels qui sont renversés. Yes, 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 yes. La kadabo, shakadaba, seke. Il y a la délivrance qui est en train de se faire en ce moment. Il y a des délivrances qui se font en ce moment. Il y a des délivrances qui se font en ce moment. Matisa maboko na ye banda kokwea na poko alelo. Borobo shedebe kasata. Eraba sala zute. Yes, 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 yes. Que ces alliances tombent. Toute alliance de sorcellerie. Toute alliance d'occultisme. Toute alliance de maladie. Toute alliance de stérilité. Toute alliance de limitation. Toute alliance de pauvreté. Toute alliance de limitation. Toute alliance de retard. Tombe ce soir. Brise ce soir. Brise ce soir. Cette alliance maléfique. Qui retient ma vie. Qui retient ma destinée.
y a des choses qui se passent ce soir dans le toute alliance qui retient mes bénédictions, toute alliance qui retient ta destinée, sois brisée, annulée. Sois brisée, annulée. Au nom de Jésus-Christ, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Les yeux ne peuvent pas le voir. Dans le monde spirituel, tu es en train de faire. Tu pries avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens renverser. Je viens renverser. Tout autel. Tout autel. Partout qu'il soit. Partout qu'il soit. Où mes ancêtres. Où mes ancêtres. Où mes parents. Où mes parents. Ont fait des alliances. Ont fait des alliances. Ont fait des sacrifices. Ont fait des sacrifices. Pour bloquer ma destinée. Pour bloquer ma destinée. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que ce soit dans mon village. Que ce soit dans mon village. Que ce soit Kinshasa. Que ce soit Kinshasa. Que ce soit en dehors du pays. Que ce soit en dehors du pays. Je renverse cet autel. Je renverse cet autel. Je renverse cet autel. Je renverse cet autel. Que le feu dévorant. Que le feu dévorant. Consume. Consume. Brise. Brise. Anéantisse. Anéantisse. Cet endroit-là. Cet endroit-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Là, tout hôtel et tout mélonios où les pactes ont été faits et salemati où les alliances ont été établies et tiamati où les alliances sont maintenues et zosimama où ils continuent oyobakoba à déverser du sang yakosopamati là à continuer à mettre des sacrifices koba kotiabambeka pour te retenir pona kokanga yo pour te bloquer pona kosukisa yo le feu de mort moto esikisa feu dévorant, descendre partout où ils sont, dans les villages, dans les eaux, dans les maisons, à l'étranger, le feu dévorant. Yes. Yes. Carabas, je te réveille comme ça. Libro, mandaba, cheque. Hey! Il y a le feu. Ce soir, ils sont en trouble. Ce soir, ils ont des problèmes. Ils ne sauront pas se réunir là-bas. Il y a le feu qui est en train de brûler. Le feu est en train de brûler. Hey! Le feu. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Beta maboko monte bandako mate tita. Maboko neso matisa moto bisika ba hotel ezali. Maboko neso matisa moto bisika ba hotel etiama. Eh! Baba shodi ala basute. Yes.
quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres ce soir. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres ce soir. Il y a une forte tension en ce lieu. Il y a une forte tension en ce lieu. Il y a une tension de délivrance en ce lieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Amen. Il y a une forte tension en ces lieux. Il y a des délivrances qui vont commencer à se faire. Il y a des délivrances qui vont commencer à se faire. Il y a des délivrances qui vont commencer à se faire. Il y a des délivrances qui vont commencer à se faire. Christ. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça. Ma kasigolega oye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Ce soir. Je viens briser. Je viens briser. Tout